Mes motivations sont simples. Celle de préparer la jeunesse de demain à la relève par une transmission continue des problèmes de santé de la population camerounaise. Ça, c'est d'un. Et de deux, c'est d'aider les jeunes Camerounais et des expatriés n'ayant pas eu de privilège d'entrer dans des écoles de formation d'État en domaine de santé et aspirant une formation professionnelle en matière de santé, de se faire former directement dans le secteur privé sans manager d'efforts, juste avoir un niveau requis avec un dossier pour adhérer à cette formation. La création a été faite sous décret ministériel par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du 25 juillet 2017 sous l'arrêté du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Son Excellence Monsieur Zachary Pérévette. Nos objectifs sont simples, celle d'améliorer la qualité de soins du personnel médical et éviter des problèmes de négligence des patients dans des hôpitaux, des erreurs professionnelles par une formation de qualité garantissant un emploi. Nos rêves sont simples, c'est de continuer ce que nous avons débuté. Il y a de cela, je peux dire, si je laisse le centre de formation, il y a de cela 4 ans, d'assurer des œuvres humanitaires pour aider non seulement la population dans le problème humanitaire et diminuer les souffrances humaines et d'aider les jeunes Camerounais qui aspirent comme profession dans le domaine de santé, de diminuer le chômage en pratiquant ou en exerçant une formation de qualité au bénéfice de l'emploi. D'autres centres, en dehors du centre de formation du personnel médico-sanitaire Terrestre Bell, nous avons deux hôpitaux. Nous avons le centre médical Terrestre Bell, situé à la proximité, en face même de notre centre de formation, depuis août 2012, et un centre médical Terrestre Bell annexe, créé en 2013. Et si tu peux dire, c'est ces deux centres qui nous ont aidés à pouvoir ouvrir un centre de formation pour former le personnel médical ces jours-ci. Parlons de la première promotion sortie il y a de cela 3 semaines. Il y a un programme de suivi post-formation des non-lauréats. Et ce que je peux vous affirmer ici, c'est que 21 récipiendaires, 21 de la sortie de notre centre de formation, 3 de ces lauréats ont été recrutés ou gratifiés en bénéficiant d'un stage pré-emploi au centre médical, dans l'escriture Terrestre Bell. C'est pas ça qu'il faut dire, dans l'escriture Terrestre Bell, précisément au centre médical Terrestre Bell, c'est le centre médical mère de la maison,
dans le service, dans les filières d'agents de technique de laboratoire. Nous avons pris notre major de promotion dans cette filière. Dans les filières d'assistant en cabinet médical, nous avons pris le major de cette promotion-là. Et en auxiliaire de pharmacie, on en a pris le major dans cette filière. Et parlant des autres, beaucoup sont en stage et d'autres sont en la recherche d'un stage de perfectionnement. Et le programme que l'établissement même, la direction de cet établissement a mis sur pied, c'est d'avoir un suivi pour voir des mesures d'intégration, d'imprégnation de ces lauréats-là. Et avec l'appui de notre tutelle, avec l'appui de notre tutelle, qui garantissant aussi dans le futur ou d'amélioration ou de trouver des voies et moyens pour l'encadrement de ces étudiants. Mais en ce qui concerne le centre de formation garde un œil regardant en ce qui concerne ce suivi post-formation et ouvre les portes et négocie même des partenariats dans les structures sanitaires de la place pour pouvoir aider ces jeunes-là de trouver de l'emploi en bénéficiant, en passant d'abord par des stages. Les difficultés rencontrées sont multiples. Nos difficultés sont d'ordre professionnel, ça c'est les miens plus précisément, et infrastructurel et d'ordre ressources humaines. Quand je parle des problèmes professionnels, bon, c'est une machine que moi-même j'ai mis sur pied, qu'il faudrait que moi-même, au préalable, ça demande, c'est un sacrifice qu'il faut que je me mette à l'œuvre à temps et à contents. Pour superviser, que ce soit au centre médical, que ce soit au centre de formation, superviser le programme de formation pour enfin assurer une formation de qualité. Et d'ordre ressources humaines, c'est s'approvisionner ou c'est d'avoir un personnel de qualifié, compétent, surtout dans le domaine de l'enseignement. Parce que c'est pas facile d'avoir des personnels qui se sacrifient aussi pour assurer la formation en domaine de santé de la jeunesse. Donc, c'est de chercher vraiment à trouver ce genre de personnel-là. La chance que nous avons, c'est que nous avons à côté de nous un personnel non seulement qui travaillent dans des hôpitaux de la place et avec leur expérience de pouvoir et qui ont un don même de pouvoir transmettre leur propre connaissance et transmettre ces connaissances-là à la jeunesse pour pouvoir les aider je peux dire quoi, à pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel. L'État camerounais jusqu'ici nous apporte pas grand-chose. Nous sommes à la première année depuis la création. Donc nous n'avons pas de subvention venant de l'État, sauf nos partenaires qui nous aident tant en temps, non seulement financièrement et par des conseils qui nous prodiguent pour ne pas se décourager dans ce que nous avons commencé et ceci nous motive de pérenniser ce que nous avons commencé pour que demain, je ne sais pas ce que demain, Dieu seul sait, ce que ça va nous réserver dans le futur. Je pense que je ne serai pas très long, sauf si à la fin, je dirais seulement comment le centre de formation du personnel médico-sanitaire dans sa présentation. Non seulement dans la présentation et
comment ils se présentent ou comment qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce centre. S'il faut dire quelque chose de plus, il est situé ici, à Mpanda Douala, Mpanda Cameroun, pas non loin de l'agence générale Rouage et à la proximité ou en face de la pharmacie de l'INAS. Ils se présentent de manière simple, les dispositions qu'ils ont sur place. Il y a un service administratif qui est composé de l'administration proprement dit, du secrétariat et d'un bureau qui est le siège de l'orientation et du programme de formation. Et de deux salles de cours, une grande salle et une salle de cours de spécialité. Et les cours se déroulent au quotidien, je peux dire de lundi à vendredi et samedi exclusivement de 12h à, de 8h à 12h et les autres jours ouvrables de 8h, 15h, voire 17h en programme, en fonction du programme de formation. Je pense que je vais terminer par là. Peut-être l'occasion permettra la plus prochaine fois qu'on puisse découvrir encore ensemble de fond en comble ce centre de formation et les structures terrestres belles. Je vous remercie. Thank you.